Racing 92 est sur sa lancée. Quelques minutes plus tard, revoilà les Français à l'attaque. Dubin trouve Loré à hauteur de la ligne médiane de la troisième ligne. Voit l'intervalle et s'engouffre dedans. Chevauché du flanqueur, personne pour l'arrêter. Voilà le deuxième essai du match en faveur du Racing 92. Insaisissable, Venceslas Loré. Loré en profite pour inscrire son premier essai de la saison. La dernière fois qu'il avait marqué, c'était le 26 mars dernier contre Toulouse. Et c'est le moment choisi par les hommes du Racing pour accélérer. Le roux vient fixer la défense à 1 mètre de la ligne. Il va en sortir pour Machenot et c'est son compère de la 3ème ligne, Loré. Avec le changement de sens de Machenot avec Sexton qui va décaler pour Dumas qui oublie le ballon. Retourner Loré a bien suivi à Platini.